Mais j'ai accompagné l'autre. Gabonaise, Gabonais. Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous pour cette année nouvelle mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Puissions-nous vivre en paix et dans la concorde comme nous l'avons toujours fait. Comme vous le savez, l'année 2018 a été marquée par la mise en place de mesures fortes pour retrouver l'équilibre budgétaire. Gabonaise, Gabonais, si votre bien-être m'importe, notre vivre ensemble me préoccupe tout autant. Car rappelons que la nation gabonaise est une et indivisible. Que vous serez toujours au cœur de mes préoccupations. Permettez-moi cependant, et en quelques mots, d'évoquer un sujet qui, je le sais, a nourri des discussions et fait l'objet de nombreuses spéculations. Il est vrai que j'ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie. Cette épreuve, je l'ai surmontée grâce à Dieu, aux personnes qui m'ont entouré, ma famille en particulier, mais aussi grâce à vos témoignages de soutien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux et me prépare à vous retrouver très vite. Mes chers compatriotes, je continuerai à mettre toute mon énergie et toutes mes forces au service de notre pays et à l'amélioration de nos conditions de vie au quotidien. À nouveau, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2019, faite de joie et de prospérité pour notre pays. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Gabon. Je vous remercie.